vous introduisez finalement un troisième élément. Ce n'est plus, comme dans certains petits scénarios, la surface de l'immeuble qui se déforme à l'approche ou au contact d'un individu, c'est quelque chose qui va arriver en plus. Donc le bâti architectural ne bouge pas, l'individu ne bouge pas, mais il y a quelque chose qui va favoriser ça. Oui, donc en fait, c'est une nouvelle couche de l'espace plutôt. Je crée une nouvelle couche de l'espace, mouvant et.